Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas droite, voilà. Je suis toujours pas droite, voilà. Pour un unboxing avec la boutique Pinsomwe. Alors aujourd'hui, il va y avoir un accessoire broderie et deux TP. Bon, je vous montre tout de suite l'accessoire broderie. Je ne vais pas vous faire un grand détail dessus puisque j'en ai déjà demandé plusieurs. J'aime bien utiliser ça. Et également, pour savoir comment on l'utilise, si je n'oublie pas, je vous mettrai ici, dans le petit i, ma vidéo « Comment utiliser un QuiSnap ». Voilà. Donc, oui, c'est un QuiSnap. Vous allez dire, j'en ai déjà, oui, je crois en avoir 4-5. Ouais, plus près de 5 que de 4. Mais j'aime bien utiliser ça. Et puis comme je ne veux pas s'il est sur une broderie, je ne veux pas l'enlever pour une autre broderie et remettre après. Non, une fois que mes broderies sont sur un tambour ou sur un QuiSnap, elles y restent. Voilà. Alors, je prends par contre toujours la même taille, à part que vous avez vu, il n'y avait pas longtemps, j'en avais pris un grand. Mais je prends toujours la même taille, c'est-à-dire 11 pouces, 27,9. Ah, ça y est, j'ai oublié. Attends. Oui, non, je l'ai écrit. Je l'ai écrit sur mon carnet. Lis ton carnet, Didith. 27,9 sur 27,9 cm. Voilà. Donc, vous avez deux côtés. Deux autres côtés. Chaque côté a un nom. Ces côtés-là ont un embout. Voilà, en forme d'équerre, en forme d'angle. Donc, vous en avez quatre. Hein, vous en avez un de chaque côté. Ils sont, vous voyez, il y a des crans pour pas que ça tourne. Donc, l'écran, vous les retrouvez, vous voyez, ça fait comme une fleur dans les tubes. Hop. Et je vais l'enlever sur cela. Sur chaque côté, vous avez... Bon, c'est toujours un peu dur au début. C'est comme une pince, hein. Voilà, c'est pour tenir votre broderie. Et elle est... Alors, est-ce qu'on voit bien... Oui, là, on le voit. Vous voyez, il y a des rainures. C'est pour pouvoir bien tenir la broderie. Voilà. C'est vrai qu'au début, beaucoup disent c'est difficile, une fois qu'on a mis la broderie, de retirer. Allez voir la vidéo, je vous montre comment mettre un tissu ou une feutrine entre le tube et ça, et la broderie. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile pour retirer. Voilà. Parce que là, au début, c'est vrai que c'est dur à enlever. Mais voilà. Donc, c'est tout simple à fixer. Hop, voilà. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et vous terminez ici. Coucou. Voilà. Vous avez un grand carré. C'est pas très lourd, hein. Et vous pouvez l'utiliser aussi avec les pinces noires, vous savez, que l'on trouve dans les boutiques. Si je ne l'oublie pas, je vous remets la photo là. C'est très utile, ces pinces. Voilà. Et pour démonter, bah, rien de plus simple, hein. Alors, pour le ranger, si vous ne voulez pas garder le plastique, vous savez, les pochettes chez Action, les pochettes zippées, là, les grandes trousses rectangulaire, il y a rose, il y a vert, il y a bleu, je crois, il y a peut-être noir, je suis pas sûre. Dans ces pochettes là, ça rentre nickel. Donc quand vous les utilisez plus, ben, vous pouvez ranger dans des pochettes comme ça. Déjà, c'est plus joli que le plastique. Et puis voilà, comme ça vous pouvez les ranger. Alors, ce QuiSnap 9 sur 27,9, c'est-à-dire 11 pouces, est au prix de 9,99 $. Et pour les adeptes de l'euro, c'est 9,37 €. Voilà. Allez, on se met face bureau et je vous montre les jolies DP que Chouchou a choisies. Voilà, premier DP.
Alors, ce sont tous les deux des épées qui feront 40-30 cm en perles rondes. Voilà. Ils sont tous les deux sur le même thème, c'est-à-dire le thème du dessin animé. Et voilà ce que l'on a dedans. Le petit toolkit, comme d'habitude, hein, tout simple. Et on va avoir... Ah ben, j'ai pas besoin de déballer, là, parce qu'on voit bien la couleur. Donc, c'est top. On va avoir les perles en sachet zippé. Voilà, vous voyez, avec un petit diamant noir. Voilà, d'habitude c'est rose, mais là, cette fois-ci, c'est noir. Alors, il y en a qui sont étiquetés avec des étiquettes comme ça. Mais bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Alors, je vous montre les couleurs. Qu'est-ce qui est marqué là? Alors, attendez, j'essaye. Handicraft Wonderful Life. Et du coup, là, ouais, si, c'est ça, c'est encore un diamant. Du coup, là, on a la marque pour une fois. Voilà, les couleurs. C'est bien, pas la peine de... C'est bien quand c'est bien rangé. On n'a pas besoin de déballer. Voilà. Et du coup, là, on a les noirs. Hein. Voilà. Oui. Hop. Vraiment, de jolies couleurs. Et des jolies couleurs pour faire quoi? Donc, il y a 22 couleurs. J'ai oublié de vous le dire, mais peut-être que vous l'auriez vu ici. Donc, vous voyez, il n'y a pas les références hein, du DP. Donc, si jamais vous voulez garder les perles à part du DP, il faudra que vous rajoutiez une petite étiquette sur votre sachet pour mettre la référence de ce joli DP. Regardez comme c'est mignon, c'est tout craquant. Ouh, il est petit langue. Il tire sa petite langue. Les 101 dalmatiens, mais il n'y en a que deux. Donc voilà, ce que je vous disais, la référence du kit est ici. Donc c'est bien 40-30. Vous retrouvez l'image là, mais je vais vous la remettre en photo. Et vous avez donc 22 couleurs. Vous avez la légende en haut à gauche, la légende en bas à droite. Et niveau impression, bah écoutez, je pense qu'il n'y a aucun souci. Voilà, voyez. Hop, hop, hop. Nickel. Et niveau colle, c'est parfait. Bah écoutez, il est tout beau, hein? Chouchou, on n'avait jamais pris les 101 dalmatiens. Il a dit, tiens, ça changera. Et c'est vrai que ça change, c'est tout mignon. Voilà. Donc, les couleurs, vous voyez, cette couleur-là, donc la 22... C'est le E, ouais, ça va aller dans le fond ici, c'est mélangé un peu. Et le noir, bah, bien sûr, le noir, voilà, c'est tout ce qui est marqué en W. Donc, un très joli DP qui va être super beau une fois terminé. Voilà. Alors, je suis en train de regarder, je vois pas le blanc. C'est quoi le blanc? C'est le I. Si, c'est le 21. Alors. Ah, si. Bah, attendez. Oh, attendez. Je déballe. Je déballe. Tant pis, je déballe quand même. Je vois pas le 21. Ah, non, hein. Ah, il était à l'envers. Voilà. Bon, c'est pas le vrai blanc. C'est le 37-56. Voilà. Donc, pour faire le blanc des toutous. Ah, mais oui. Non, voilà. Pourquoi je voyais pas. Donc, le... Non, c'est pas le 37. Si, c'est le 37-56. Voilà, on va y arriver. Et non, alors le 22... le 22, c'est quoi? C'est le E. Non, c'est pas là.
Tu dis des bêtises, Edith. T'as encore dit des bêtises. Il est où le? Bah attendez, je vois pas le. Je ne vois pas le E. Ah bah c'est fort ça. Ah si, voilà. Regardez. Il y en a un petit peu autour des yeux. Voilà, ici. D'accord. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ok. Donc, voilà le petit, les petits dalmatiens. Par contre, avant de le ranger, je vais vous donner son prix quand même. Il est à 4,99 $, soit 4,68 €. Deuxième DP, donc je vous ai dit, c'est également sur le thème d'un dessin animé. Et je m'aperçois que je me suis trompée sur les prix du premier. Oui, non, je me suis trompée. Enfin, je pense que je me suis trompée parce que, oui, il y avait eu. Alors, celui-là, on ne l'avait pas eu. Excusez-moi, hein, je suis ma petite tambouille. Et là, c'est un kit. Voilà. Les 101 Dalmatiens. Je remarque. J'ai oublié de corriger sur mon carnet. Donc, je regarderai si je vous ai donné le bon prix ou pas. Alors, j'ai très certainement déjà corrigé hein, sur la vidéo au moment où je vous le dis. Oui, parce qu'il y avait un kit qu'on avait choisi et quand on l'a choisi, il était en rupture. Donc, on a dû choisir un autre et du coup, on avait choisi les 101 Dalmatiens. Voilà. Alors, ici, un petit outil comme d'habitude. Et des perles en sachet zippé. Voilà, c'est bien. Mais là, je crois que je vais devoir déballer. Alors, je vais juste déballer un peu pour vous les montrer. Alors, il y a 24 couleurs. Oh, il y a des petites perles qui se perdent. Alors, non, je vais devoir déballer là. J'ai peur parce que j'ai vu qu'il y a des perles qui se promènent. Et ça, j'aime pas quand ça fait ça. J'ai peur d'en avoir plein les mains. Enfin, plein, pas plein les mains, mais que ça tombe. Voilà. On va zoomer un peu comme ça, on verra mieux. Alors ici, on va avoir beaucoup de bleu. Vous allez voir pourquoi. À votre avis, un dessin animé avec beaucoup de bleu, ça peut être quoi? Vous avez trouvé? Non? Oui, peut-être. Voilà. Eh oui, du bleu, du bleu, du bleu. Toujours du bleu. Non, là, c'est du rose. Hop, il y en a un qui se cache derrière. Et bien sûr, c'était du bleu. Il fait chaud dans la pièce. On est au mois d'octobre, il fait chaud. Même dans le nord. Bon, tant mieux, hein, on va économiser le chauffage. Et le petit dernier, le voici. Bon, je rangerai les perles après. Alors, vous avez trouvé pourquoi il y a beaucoup de bleu? Voilà! Eh ouais, c'est les Schtroumpfs! Alors, il y a Schtroumpfette. Là, il y a encore une fille Schtroumpf.
Mais je crois que dans le nouveau dessin animé des Schtroumpfs, alors, ça c'est complètement con, excusez-moi l'expression. Ils ont eu obligation de rajouter une Schtroumpfette, enfin une autre fille Schtroumpf, parce que comme il n'y en avait qu'une, pour la diversité, il fallait que le dessinateur des Schtroumpfs rajoute une fille. Je trouve ça complètement con. C'est comme... C'est quel dessin animé? Non, c'est pas Blanche-Neige. Enfin, si, Blanche-Neige, c'est pareil. Blanche-Neige avec les sept nains. Ça porte à confusion. Hein, ils ont l'esprit complètement mal tourné, les mecs. Mais il y a... Oh, c'est pas Blanche-Neige. Ah, la Belle au bois dormant. Oui, maintenant le baiser, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais le baiser quand le prince la réveille avec un bisou, ça doit être coupé parce que ça montre qu'elle voulait pas du baiser. Enfin, oh, je ne sais plus les termes qu'ils ont mis, ces andouilles. C'était pas... Ah! Elle lui avait pas demandé qu'il lui fait un baiser, voilà. Donc c'était comme considéré comme une. Oh mon zut, je trouve plus mes mots, ça m'énerve. Une atteinte sexuelle, voilà. Les mecs, il faut qu'ils arrêtent, hein. Il faut qu'ils arrêtent de shooter à la moquette, hein. C'est des dessins animés, voilà. Le prince réveille la princesse, il lui fait un bisou, voilà. Je vois pas. Mais c'est sur plusieurs dessins animés, hein. Maintenant, ils ont trouvé des trucs. Ça incite un truc sexuel ou ça incite à la violence. Il y a des trucs. Mais arrêtez les mecs. Alors là, maintenant, il y a une deuxième Schtroumpfette dans les Schtroumpfs parce qu'il n'y avait qu'une seule fille dans le dessin animé. Donc, la parité homme-femme n'y était pas. Enfin, on referme les guillemets, hein, on va pas... Je vous jure, mais des fois, dans quel monde on vit, mais alors, on va dans le mur, mais on y va bien. Je crois que les mecs, ils devraient s'occuper d'autre chose que de ça. Voilà, alors on a deux Schtroumpfettes dans le dessin, dans ce DP. Voilà, parce qu'il ne faut pas que Schtroumpfette soit toute seule, hein. Au passage, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. Alors on a celui à lunettes là, Schtroumpf intelligent là. J'arrive plus. Désolée, je trouve plus mes mots, mais enfin bon. Voilà. Je crois qu'il va être très joli également. J'aime beaucoup. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Alors, les Schtroumpfs. Avec les Schtroumpfettes à 4,99 $, soit 4,62 €. Voilà. Vous voyez, il y a la référence là du kit. Et là, par contre, j'ai vu qu'elle y était sur le sachet. Voilà. Là, elle y est sur le sachet, ici. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je remercie beaucoup la boutique Paint Somewhere. Toujours très heureuse de présenter des articles de leur boutique. N'hésitez pas à aller voir. Je ne sais plus si j'ai un code promo. Si j'en ai un, de toute façon, je vous le rajoute en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et en attendant, moi, je vous fais à tous des gros bisous. Et sur cette conversation sur les Schtroumpfettes, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous!